bien, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être courte, qui va être un peu blabla. Juste pour vous parler un peu du rythme de vidéo. À la base, je vous avais proposé une vidéo par jour, du lundi au samedi. Là, c'est vrai que ça fait quelques jours, quelques semaines que j'arrive pas à tenir le rythme. Bon, déjà, j'ai été malade, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses. Mais je suis aussi en plein rangement, que ce soit de d'autres pièces dans ma maison, mais aussi de mon atelier. Tout est en foutoir, désolée du mot, mais c'est vraiment le bazar. Donc c'est vrai que je voudrais essayer de vraiment bien ranger mon atelier pour pouvoir par la suite, je vous en parle, ça je vous en parlais, hein, reparlerai un peu plus tard. J'ai un ou deux projets qui vont arriver dans les mois qui vont arriver. C'est en cours de préparation. C'est pour ça aussi qu'il y a un peu moins de vidéos que d'habitude parce que je fais ça à côté. Donc du coup, j'ai pas le temps de tout faire. Donc du coup, pour changer, parce que j'ai envie aussi de faire des vidéos un peu plus complexes. Complexifier les tutos je commence beaucoup à travailler par exemple sur l'aquarelle, mais c'est des choses qui prennent du temps. Entre les vidéos, pareil, je fais des albums un peu plus complexifiés que je ne vous montre pas sur la chaîne YouTube parce que par manque de temps, parce que j'ai une deadline, parce que voilà, j'ai des demandes, pas forcément de vous, hein, mais j'ai des demandes d'autres personnes dans mon entourage, on va dire, qui me demandent des choses, et par exemple des gros albums, des choses comme ça. Et c'est vrai que je ne vous les fais pas partager par manque de temps, parce que une vidéo par jour, ça prend du temps à tourner, ça prend du temps à monter aussi, ça, faut pas l'oublier. Parce qu'il faut vérifier, il faut voir s'il n'y a pas de bêtises de fait dans le tuto ou s'il n'y a pas de choses dites qui sont fausses. Enfin, bref, voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, je ne peux pas tout vous partager. Donc je vais réduire un petit peu le nombre de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc vous aurez 3 vidéos par semaine. Donc une le lundi matin, une le mercredi matin et une le samedi matin. Parce que comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je voulais vous partager des tutos plus complexifiés, surtout sur des albums photos ou sur des happy mail par exemple. Ça va peut-être demander des tutos en plusieurs parties. Donc là par contre, si c'est en plusieurs parties, vous les aurez à la suite. Je ne vous ferai pas attendre, si je mets la première partie lundi, je ne vous ferai pas attendre le mercredi. Je vous les mettrai à la suite bien sûr. C'est plus simple et je trouve que c'est mieux aussi. Et voilà, j'ai envie de travailler un peu plus, de complexifier un peu plus et de vous montrer des choses que je ne montre pas forcément sur la chaîne YouTube vraiment que en scrap, hein. Je parle vraiment que la partie loisirs créatifs. De toute façon, sur cette chaîne YouTube, je vais vraiment vous partager que ma partie loisirs créatifs scrapbooking. Pour celles qui me suivent, pour les lectures, je sais qu'il y en a quelques-unes, je vais réouvrir ma... J'avais une chaîne YouTube spécial pour la lecture que j'avais fermée, mais je la réouvre, donc je vous la mettrai le lien en barre d'infos. Ça s'appelle le chaudron livresque. J'ai changé aussi mon nom Instagram de mon compte Insta lecture aussi, qui s'appelle le chaudron livresque aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre, mais c'est là où je vais parler surtout de mes lectures. Donc sur cette chaîne là vous aurez une à deux vidéos par semaine, mais ça je vous en reparlerai. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Pour l'instant il n'y a pas de vidéo, mais ça ne serait tardé. Je vais en tourner là dans les jours qui vont arriver. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas déçus qu'il n'y ait plus une vidéo par jour. Voilà, mais je pense que c'est mieux comme ça et j'ai envie de... Oui, je vais me répéter, mais j'ai envie de complexifier et de vous faire des vidéos plus qualitatives, avec des choses plus complexes, parce que voilà, j'aimerais vous partager des choses que je ne vous montre pas sur la chaîne YouTube. Par exemple, mes créations Cricut, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos, mais par manque de temps, je trouve que c'est une vidéo par jour, c'est un peu trop là pour le moment, en tout cas pour le moment, puisqu'il y a des choses qui vont arriver, ça je vous en reparlerai un peu plus tard dans les mois qui vont arriver. Puisque voilà, il y a deux petits projets, enfin un ou deux gros projets qui vont arriver pour moi. Donc du coup, mais ça je vous en parlerai beaucoup plus tard, ça va arriver, vous inquiétez pas.
Mais voilà, je voudrais vous partager des vidéos Cricut, des vidéos sur la mug press. C'est pareil, je vous avais pas fait de vidéo, mais là je suis en train de travailler dessus. Des vidéos sur la Relios Cinch, c'est pareil, je voudrais faire faire un album avec. J'en ai fait un, mais j'ai vu que j'avais une deadline, j'avais pas pu vous la montrer, j'avais pas eu le temps de filmer une vidéo. Donc voilà, c'est ce que je voudrais pouvoir faire, vous présenter des choses plus complexes et à vous faire proposer des tutos plus complexes. Pareil pour le Project Life, faut que je vous tourne des vidéos parce que j'ai regardé, j'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo. Et pour pouvoir bien préparer mes vidéos et bien les faire et bien vous faire les tutos, bah, il faut du temps. Et quand on met en ligne une vidéo par jour, bah, je trouve que c'est compliqué. En tout cas pour moi, parce que bah, j'ai un travail à côté et j'ai ma vie de famille aussi à côté. Voilà, je vais pas plus me répéter. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez en commentaire. Et puis à échanger avec moi ce que vous auriez aimé aussi. Si les jours de publication ne vous conviennent pas, ou voilà, ou les horaires aussi, vous préférez le soir, n'hésitez pas à me le dire, hein, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je voulais aussi dire bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai vu qu'on avait augmenté un peu sur la chaîne. Donc merci beaucoup. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. En tout cas, de nouveaux projets vont arriver et j'espère que ça va vous plaire aussi. Moi, je suis très contente. J'ai plein de choses en tête et plein de choses de prévues. Je suis en train de travailler dessus. J'ai un gros projet qui, j'espère, va se concrétiser d'ici mai ou juin. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est aussi ça qui me prend du temps à côté. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai ralenti un peu les vidéos ces derniers jours, en sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit dans le vlog, je suis tombée malade. Donc voilà. Bon, bah n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!